كدر جوان تشت تفاد وانا ما اسمع ديك اني غرمان برشا ديك اني فرجان نرني غير بالوام مرسا نرني داغي بام مقلال نرني يبا ما نسا نرني يبا مسنقال يبا ميود نهار نرني يبا مين الزال اروان هركيدان غندا راض رمبوكا اروان هركيدان غندا راض رمبوكا ديك دسكيدان امام قسكين قال ديك دسكيدان يا نعم وكنو نذا ذاك فور نغضا سميض نغضا ذفلق لغضا قنيا عروا ارثما قوث مثنا اكسنا غاندي ثبورت لزواد اسنيني ماشي واحد وني ثلام اقلا غار غروين مرسي on va essayer de donner la parole à certaines personnes qui sont parmi nous qui sont fidèles qui sont toujours avec nous on va commencer par مثنا فتحين خليفة ذاليبين et c'est le président de CMA on lui dit merci d'être ici et merci d'être fidèle et Tanmir Azouflaoun c'est mon devoir c'est pas Tanmir Toun il m'a donné un docal qui est en train de se faire en France il m'a donné un docal qui est en Hollande Tanmir bien sûr il m'a donné un docal qui est en train de se toujours de إدرفان مزيغن تعقلغ في تبديتها بديت أسان تقرولا ليبيا بديت قبل في أزوات السعود الثاني أنبد دنساول ثانيني كل إيجن سجن تم شخص كل إيجن سجن غزوادي نشنين كل دي وزوادين نشنين كل دي مزيغن دونك زرغ أن تبديت سوتيا من أزوات يقى الواجب في مزيغن نتمازغ مرة سوختي مزيغن ديسبورا اي تمثنا غي زوادي حواج الطاس حواج العوين حواج حواج نمان حواج نوتشو حواج الميديكامون حواج سوتيا بوليتيك دروا دلوم خصد نخدم بنعاون سمت تنزمر سمت تنقود سمت تنجم وريلان حد يضمن باش غادي يعاون تما شخص الا ايتماتسن اي مزيغن تنمر ثنون تنمر تيكت يضنين اي مسين اي تمازغا تنمر ثنون كل شيء اتصل تنمر فزا تنمر فزا Et on va ici donner notre parole aussi à un militant berbère de Tunisie, Moussa Ziada Dazoro de Tmourtana Tunis, de Tunisie. À Saguinir, c'est l'international berbère. لن وثمثنا غيديو سان دي ليبيا كنتزرن تولا غمثنا غيديو سان دي تمورثن تونس لن وذكي دي سان دي تمورثن المروك إذا غن أتاس لقوة دي تلان ونسي نفاس على سنبلي ناسيونال pour leur dire aux gens qui siègent derrière nous que les Azawad n'est pas tout seul nous sommes avec eux nous sommes des millions à les soutenir où les manifestations se passent qui partent à Paris il y a d'autres lieux où il y a des rassemblements l'opinion Amazir commence à prendre connaissance de cette lutte et surtout l'importance d'avoir notre État. Parce que au jour d'aujourd'hui, l'opinion, surtout l'ONU et les puissances mondiales, et ils répriment plus, ils ont oublié les droits de l'homme, à leur profit bien sûr. Il y a beaucoup d'États, il y a beaucoup de peuples sans État. Ces gens-là, ils n'ont pas le droit d'ouvrir, de dire un mot. Alors aujourd'hui, on leur prend la parole et on dira « Vive les Azawad libres !» Sans trop tarder, on va donner la parole à notre ami qui nous vient de Tunisie, qui est un militant berbère en Tunisie. N'oubliez pas aussi qu'il est militant berbère, ce n'est pas qu'en Kabylie, il y en a partout. Et on est des millions, et on continuera toujours. C'est les berbères de Tunisie, on est toujours avec Azouad.
نتشينا طامور نازرو يمازيغ تونس دازواد Donc, je vais parler un petit peu là en français. Chers frères, chères sœurs, je tiens tous d'abord à remercier l'organisation de cet rassemblement à Mazir pour la cause d'Azouet. Au moment où Paris et Bamako s'agitent auprès de toutes les instances internationales de l'intervention militaire dans l'Azouet, la communauté internationale ferme les yeux sur tous les massacres contre les frères d'Azouet. Entre le mois de janvier et le mois d'octobre 2012, il y en a 108 personnes civiles de Touareg exécutées à sang-froid par l'armée malienne sans aucune réaction de la part des Nations Unies. Nous, Amazir de Tunisie, nous n'acceptons pas ces massacres contre nos frères Amazir d'Azoued. Et nous soutenons la première république Amazir d'Azoued. Les Imazirs de Tunisie, ils sont toujours avec Azoued. Je tiens aussi à vous transmettre les salutations fraternelles de toutes les associations Imazirs de Tunisie. Azrou, Tamazrat, Taoujout, Touiret, Djerba Gellala et Takrona. Merci beaucoup. On va donner la parole à notre ami, frère, militant, Mohand, qui nous vient de l'Azawad, qui est membre du bureau politique de Menala en Europe. Avant tout, on tient à vous le dire qu'on croit à Menala, il n'est pas tout seul, nous sommes à ses côtés. Azul Fallawan, ce matin, j'étais avec la délégation, Bilal et un collègue de Menala. Ils savent que le Kabyle et le Berber en général, ils soutiennent Menala. Ils vous remercient beaucoup. Le deux Moussa Gattaher, il est en voyage, et Moussa Agassarid, il est malade, et sa petite fille encore, elle est malade, du coup, c'est pas une excuse, mais on sait que le Kabyle est avec, ils sont avec Menela. On vous remercie beaucoup. Pour la situation dans la Zawad aujourd'hui, j'étais avec le colonel, il m'a assuré que là, ils sont motivés, ils sont motivés jusqu'au fond, quoi. Ils ne vont pas lâcher l'indépendance, Inch'Allah, ça sera l'indépendance un jour. Si Dieu. Ok, Azul Fallawan. نهولين القبائل كل السنة سبنيلا نغا نرهابين هولين إكرازا نغا هولين يتمانا نغا زواد السنة سبنيلا ما سن السنة تقال ما يتما سن أوكي مرسي أوكي Merci beaucoup. Sans trop tarder, nous allons donner la parole cette fois-ci à notre ami Hazim Azargi, Afafaf Roubi. C'est toujours un plaisir. Azul Flaouin, les Touaregs, ou ces hommes bleus, qu'on aime bien appeler les hommes bleus, étaient gentils, sympas, exotiques et magnifiques lorsqu'ils étaient dociles. Et maintenant qu'ils réclament un droit, celui d'exister en toute dignité sur leur terre, dans un cadre, dans un état, ils sont devenus des terroristes, des gens infréquentables, ou des bandes armées. En tant que président de l'association AFAFA, je souhaite dire que ces Touaregs-là, qu'ils soient exotiques ou indépendantistes ou je ne sais pas quoi, ils sont nos frères. Ils sont avant tout nos frères et il faut les soutenir par tous les moyens. Je souhaite aussi profiter de cette occasion pour dénoncer la campagne de désinformation orchestrée par les médias français, notamment par l'AFP, l'agence France Presse, et certains médias qui lui sont donc qui reprennent tout ce que l'AFP publie sur son fil pour traiter les Imazirs d'Azawad de bandits, de terroristes et de tout ce qu'on veut. Hein. Donc pourquoi l'AFP, par exemple, et des médias français peuvent envoyer des reporters en Afghanistan
en Irak en plein guerre, ils ne peuvent pas les envoyer au Mali à 3 heures d'ici ou à 4 heures d'ici. Je me suis toujours posé cette question. Donc, voilà, je crois que ces citoyens-là, s'ils étaient islamistes, s'ils étaient emprunts ou s'ils étaient, comment dire, s'ils étaient acquis à des idéologies arabo-islamistes ou arabo-baptistes ou arabo-théoristes, je ne sais pas quoi, ces pays occidentaux-là et occidentaux-là qui sont en train de soutenir le Mali, les soutiendraient sans aucun gêne. Sans aucun gêne. Voilà, donc, pour être bref, je réitère notre soutien inconditionnel au peuple, peuple Keltamashek, donc dans son combat pour la liberté, pour la dignité et surtout pour l'indépendance. Parce que ce qui dérange les autres, donc les régimes mafieux et voyous en Afrique du Nord et les régimes aussi donc occidentaux, c'est de voir un régime ou un État amazigh naître en Afrique du Nord ou dans le Sahel. C'est ça ce qui les gêne, parce qu'ils ne veulent pas d'un État amazigh. Ils veulent des États arabo-islamistes, donc acquis à des idéologies obscurantistes et racistes. Des États sans berbères, des États bâtards sur un terrain amazigh, authentiquement amazigh. Voilà, c'est ce que je veux dire. Et aussi, nous tenons à le dire, et j'espère qu'ils nous entendent derrière nous, que le seul rempart contre le terrorisme international et islamiste, c'est bien les Touaregs et le MNLA. C'est ni Ansar Eddine, ni l'État algérien, voyou algérien, et non les autres États. Le seul rempart pour l'idéologie arabo-musulmane, terroriste et toutes sortes de narcotrafiquants qui se trouvent dans la Zawad, c'est bien le MNLA. Et nous le dirons toujours et toujours. Voilà. Et aussi, comme notre ami tout à l'heure l'avait dit, Fathi Nkhlifa Alibi, qui vient de la Libye, nos frères ont besoin de tout, de médicaments, de tout. Alors il y a une caisse qui est mise à votre disposition ici, comme à chaque rassemblement. Cet argent est versé entièrement à eux. Nous avons des comptes pour ça. Celui qui veut voir des comptes de Tamazra, il est le bienvenu. Voilà, sans trop tarder, on va donner la parole à notre ami et frère Saïd Khotoul, Amazir Nerif, c'est le mouvement Amazir de Hollande. Zul, Aïtmat Nari Mazir Nmara, Daïh Daran, Touras Serem, merci Timor, Al-Hadar Natasi Mazir, Milzin Rechko, Paris, l'Asima, Mazir, d'Europa, Macha. ودروسني مزيان ديفون دا غار أبديا إنتك أكتومات أزواد وصير مذ أبخون برنير بروبليمي دكوال غار أورغانيزاسيون السنة دي غار ميدي مزيان عاد نضعف ونسيش نسخدم دي غار نسقرش الميديا يمكن أول إنو يحصليني أسيني غي فرنسا نوز دا نبت هذا سنين في فرنسا باللي ممش تحارب إما زيغن وصدودنا إثما زغا أقعد تحارب إما زيغن عاد أثورا نرخو الخو عاد تحارب إما زيغن سمارة في زمار نس فرنسا باش هذا سنين في فرنسا غي قارن باللي نتاث يمثل الديمقراطية أسيني باللي مرت من الديمقراطية ذن المواثيق الدولية إجان غاسن حقا أزوات نغامر إذو ذن نمضال غارسن إزرف نسن باش أذينين أور نسن باش أذيك سين قرر نيثني سيخ فنسن سيمات نسن ما أخسن الكين أيضو نسن نغلا باش نتف ربدا فرنسا تبدا الكبرين اي مازيغان لي تمازغا اسنيني بلي تيروريست لي جان لي ازواد نعرف قارب اللي خاذيني الجماعات الاسلاميه خاصه القاعده بلي الشم فرنسا هي القاعده لي ازواد ماشي ازواد جات القاعده وتجبن يعني جات تيروريست باش فرنسا يديوين تيروريست غار ازواد باش تفف ورد ستيش نقول ستفكيشا أزرف النس إما الزغن أزواد مش هتكين دولة نسن تكدو دولة نسن
غني تتيغ سنيني غني تاي فرنسا إيكسير إفسن النم في مزيغن قا أسا إمزيغن سنن غرير في أمن سن باللي أعدوهم قران لمزيغن باللي دشن فرنسا وتبوضع رغن مي أعدوهم قران فرنسا. Bien entendu, nous sommes là jusqu'à 18h30. On va essayer de voyager un petit peu et écouter un peu la musique Touareg et la musique de chez nous. Quoi. Je ne vais pas dire Touareg, mais la musique de chez nous, puisque nous sommes tous Touareg aujourd'hui. Nous sommes tous de la Zaouad aujourd'hui. Merci. I don't know.